Allez. Ça va ? Oui, ça va. Les petites s'il vous plaît. Bonjour à tous. À la une, comment en... Nous serons en direct de Lens tout à l'heure. En fait, ils en ont déjà, mais ils pourront avoir des applications smartphone pour savoir où est-ce qu'ils peuvent avoir une formation. Un salut à vous qui nous accompagnez. Et pour le journal, dans une petite minute maintenant. Allez, Émilie. Les autres titres, le gouvernement lance la lutte contre le décrochage. A priori, cela se précise, le tueur de Toulouse et de Montauban. Les interrogatoires sont en cours. Les autres titres, on connaissait Lens pour son bassin minier, pour son club de foot. La ville va maintenant briller par son musée, et pas n'importe lequel, l'un des plus connus du monde, le musée du Louvre. Une antenne de ce temple de la culture a été inaugurée ce matin par François Hollande. En direct de Lens, on retrouve Olivier Bain. Le Louvre Lens, construit, on l'a compris, sur une ancienne mine. Alors, pour l'occasion ce matin, les mineurs avaient fait le déplacement et ils n'étaient pas peu fiers. Écoutez. Et pour doper la fréquentation de ce musée, sachez que l'entrée du Louvre-Lens sera gratuite tous les dimanches, et ce, pendant un an. De la culture à l'éducation, à présent, c'est un fléau auquel avait promis de s'attaquer François Hollande, le décrochage scolaire. Chaque année, des milliers de jeunes quittent l'école sans diplôme. Alors ce matin, le ministre de l'Éducation a détaillé les pistes pour en finir. Précision de Constance de Bonaventure avec Emmanuel Goubert. L'épisode du jour à l'UMP ce matin avait lieu à l'Assemblée nationale. La réunion des Pankawa pour ce point très clair en direct de l'Assemblée nationale sur cette crise à l'UMP. Les socialistes étaient jusqu'à présent restés volontairement à l'écart, mais trop, c'est trop. Et ce matin, le chef de file des députés PS monte au créneau. On l'écoute. C'est la première. Attention, facture explosive, c'est le débat du jour. EDF revoit à la hausse le chantier de l'EPR de Flins. On en parlait déjà vendredi dernier dans ce JT, cela se confirme, la fin de l'affaire du Sofitel de... S'en remettre à l'église pour aider les sans-abri. Cécile Duflot, la ministre du Logement, a créé la polémique hier. On en reparle tout à l'heure dans la nouvelle édition. En attendant, les associations ont repris leur maraude. Et loin des batailles politiques, il y a la réalité de la rue. Reportage Sandra Buisson, Marc Fauchou. Trancher cette question, le régime de Bachar al-Assad est-il en train de préparer des armes chimiques? Damas serait prêt à tout pour en finir avec la rébellion. C'est ce qu'affirme Washington, qui menace très directement Bachar al-Assad. Explication, Léa Baraco. Direction l'Australie, les Philippines, mais d'abord l'Irlande. Et pas seulement la presse britannique, puisque les télés du monde entier campent devant la clinique où se trouve en ce moment la princesse. Et oui, il faut absolument couvrir l'événement parce qu'une femme enceinte a des nausées. Mais on aurait tort de trop rire de l'événement parce que figurez-vous qu'en Grande-Bretagne, certains pensent très sérieusement qu'un bébé peut faire oublier la crise. Fanny Conqui. La crise au PSG, c'est peut-être ce soir que se joue l'avenir de Carlo Ancelotti et de Leonardo. Les Parisiens affrontent Porto en match retour de Ligue des Champions. Après 3 défaites en championnat, une victoire permettrait aux dirigeants parisiens de se rasseoir quelques jours sur des sièges qui sont, pour l'instant, éjectables. François Pinet. Répit ou pas, la réponse c'est sur Canal ce soir en direct à partir de 20h. Oh bah que le va PSG gagner. Va gagner. C'est Porto aussi. Oui. Mais... Non. En tout cas, on supportera Porto, tous ici. Oui, on n'a pas le choix. PSG. Mot de la fin, au revoir. Les adieux de David Beckham aux fans du... J'aimerais que ça cesse sur le PSG, peut-être, maintenant. Bah non, alors Monaco, il va aller sur le rocher. Peut-être, voilà. Ça ah oui. Viendra sûrement à Victoria. Merci, Émilie. Le pire de la télé, voici. Il y a une tempête dans les bénitiers, mais aussi du flot. Hein. Et il a des mots qui évoquent carrément la Révolution française. Hein. Il parle d'attaque indigne, erreur au micro d'Anne Covette. Et du jour, l'explosion du poursuivre leur discussion. Allons lâcher, quoi, carrément, autour de lui. D'abord, les sarkozystes. Je suis en fusion depuis l'annonce. Quel sera le sexe plus, qui est déshydraté, qui est sur le bas. Ça se voit que c'est pas vous qui vomissez. On vient de voir dans l'anime de Domnat. Non, mais vous imaginez la succession. En vrai, à quoi son bébé va ressembler quand elle va s'habiller pendant sa grossesse. Baisser vous voulez pas lâcher le chiffre. Hein. Donc, mais il s'agit de sauver un pays.